Accepte. Non mais sérieusement, bonsoir à vous deux. Elle est sérieuse cette proposition? Ah mais bien sûr, bah, enfin, nous on dit jamais rien comme non. Ça. Enfin, comme ça, dans un on est des jeune femme très sérieuse quand même. Donc, oui, donc quand on dit quelque chose... Ça... Ouais, c'est qu'on a très très envie de coucher avec lui. Il ne l'a jamais proposé, ceci étant dit. Hein, donc, Alors dites-moi Garou, est-ce que vous êtes un homme heureux, là, tout près de votre tante folie et de votre soleil? Mais ma tante folie, déjà... oui, tante folie, c'est depuis le début. Ça a été instantané. Pourquoi? Mais ma tante folie, déjà la première fois que je la vois, Liane, on la connaît très bien au Québec. Elle a une grande carrière là-bas. Puis là, je rencontre Liane Folie, Madame Folie, hein, qui se transporte tout de suite en ma tante folie parce qu'elle commence à me déblatérer un Québécois parfait. Tu veux pas nous faire un petit Québécois? J'étais tellement contente là, de te rencontrer. Au tout départ, là, quand je l'ai vu, je dis, mon garou, mais quelle voix qu'il a, c'était quand même extravagant. C'était écœurant comme il chante quand même, ce gars-là. Mais... Là, j'ai dit ça, c'est comme, t'es comme ma tante. Je sais, mais c'est vrai. Et je l'appelle, au début, je l'appelle mon neveu. C'était peut-être pour mettre déjà entre nous quelques distances, mon cher. Pour que nous restions amis, peut-être. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre? Ce sont les Restos du cœur. Oui. Oui, absolument. Hein. C'était, quand... il y a trois ans, on s'est croisés vite. C'était ma première année. Voilà. J'étais trop timide encore. Et quand vous vous êtes croisés doucement, c'était l'année suivante. Et ça vous a fait quoi, l'arrivée de Garou? Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous l'avez vu débarquer, cet homme du Grand Nord et du froid? Ah oui, il n'est pas froid en tout cas, lui. Mais d'abord, c'est une voix incroyable, Garou. Donc moi, chaque fois qu'il commence à chanter, même, tu sais, quand je réécoute les disques, il y a toujours un moment où tout d'un coup, genre, il part. Et quand on est sur scène avec lui, c'est fou tout ce qui se passe. Et puis, en plus, on a vu, il y a eu une vraie évolution quoi, dans la popularité de Garou, qui est arrivée, qui a commencé, qui était moins connue en France. Et maintenant, c'est fou ce qui se passe quand il rentre sur scène. Ah bah justement, ça, on va le constater tout au long de la soirée. Vous avez vu comme les femmes vous aiment tout de même, et vous nous aimez, nous aussi les femmes. Il est tellement gentil, vous devriez en profiter, vous lui posez la même question qu'on lui a posée dans la chanson. La même. Vous nous aimez. Garou,
Les femmes vous aiment et elles vous le rendent bien. On vous aime, vous nous aimez aussi. Est-ce que vous voulez bien, là, juste là, nous parler un petit peu d'amour, s'il vous plaît, Garo? Ah oui, comme vous voulez. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier, on s'ennuyait. On sait à peine si on trouvait les mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé quand on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop. On tient nos rôles, on se regarde, on rit, on crâne un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas fait. Et ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé quand on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Le Dieu qui quelquefois se passe un peu trop bien. Roméo et Juliette et tous les autres. Au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre. Et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petite, il faut partir. Laissez ici nos souvenirs. On va descendre tous ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Ça va? Oh là là! Quel duo! Alors Patrick, vous savez ce que dit Garou de vous? Il m'a dit, avec Patrick, on a des rapports de bons frères. Selon vous, ça veut dire quoi? Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une... Mais racontez-nous un petit peu plus cette relation comme ça qui vous lie. Ce sont les Restos du Cœur? Ouais, enfin, on s'était connus la première fois, c'était je crois à la première de Notre-Dame. Il était passé, il avait eu un regard comme ça très chaleureux, très sympa tout de suite. Et puis on s'était retrouvés sur les restos. En effet, la première année où il était très timide. Il est sympa, il chante bien, il est agréable, il est souriant, il est généreux. Non, c'est vrai.
Alors, je ne sais pas vous, chez vous, mais moi, je ne résiste pas. Yann, Garou, Patrick, je vous ai là avec moi sur le plateau. Est-ce que vous pourriez juste nous refaire ce trio que vous nous avez fait pendant les restos que je t'aime. Que je t'aime. Hein? Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles en trésor, que je t'aime, 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 que je t'aime. On commencera des petites impros comme ça, hein. Tout au long de l'émission, ça fait toujours plaisir. Bon, alors on parlait tout à l'heure des Restos du Cœur. Alors Garou, à la soirée des Enfoirés, bah, c'est tout un poème. C'est du plaisir et du bonheur que l'on a mis en boîte rien que pour vous. Regardez et profitez. Mon amour est parti avec le loup dans les crates de Rocamadour. Je suis resté comme le monde depuis enroulé dans du papier hygiénique. Société et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Les journées comme la vie de vacances. Merci maman, merci papa. Je suis pas un héros, il faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas. Du cœur pendant la tournée des Enfoirés. Dis donc, ça vous va bien le petit costume de scout, hein? Vous êtes mignon comme ça, hein? Vous trouvez pas? Est-ce qu'il y a des jours où en voyant les costumes et en préparant vos chansons, vous vous êtes dit, c'est pas possible, on va pas pouvoir garder notre sérieux, on va pas tenir le coup, je peux pas y aller comme ça, en scout par exemple? Mais il faut surtout pas garder notre sérieux. Il faut surtout pas garder son sérieux. Il faut continuer à chanter. Et surtout pas commencer à regarder autre chose que le plaisir et l'amusement. Il y a une des mesures dans cette entreprise, c'est une entreprise humaine, une aventure humaine magnifique. Il faut aller au bout de cette mesure, faut pas... Je crois qu'il faut surtout pas se regarder le nombril là-dessus, il faut s'amuser, il faut aller au bout. Sur les colonies faut de vacances, cette année, c'était flagrant. Ah, c'était, hein, c'était, tout le monde s'est donné à tout le monde voulait y aller sur les colonies. Hein. Au début, ça a commencé à très peu. Tout le monde voulait, moi le premier, hein, j'étais là à courir. Allez, moi, pyjama. En plus, la mise en scène est créée sur place. Donc c'est... Merci Michel, Patrick et Liane, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure. Bon alors Garou, vous savez qu'on a tous les deux... Un point commun, au moins un point commun, c'est qu'on adore Gérald de Palmas. Oui. Oui, me dit-il. Alors pour nous, enfin surtout pour vous, il nous fait le plaisir d'être là, mais également sur MFM, puisque cette émission est retransmise en simultané et en stéréo. Voici Gérald de Palmas, la chanson s'intitule « Tomber ». Et toutes ces feuilles qui sont mortes, toutes ces pelles que je ramasse, ça me rappelle à ma place. 10 heures, tu m'as laissé tout seul du mauvais côté. 10 heures, j'ai pas la clé, tombé, tombé. 10 heures,
comme en été. La pluie ne m'a pas lâché. 10 heures, tu m'as laissé tomber, à la porte, côté seuil, et tous ces deuils que l'on transporte, toutes ces fleurs, toutes ces couronnes, je n'ai plus peur de personne, non. 10 heures, tu m'as laissé le mauvais côté. 10 heures, j'ai pas la clé. Tombée 10 heures, même en été, la pluie ne m'a pas lâché. 10 heures, tu m'as laissé tomber. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité, surtout. Ça nous fait très plaisir. Et puis c'est Garou qui vous a invité. Parce que non, je ne peux pas savoir comment ça me fait plaisir. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais vous êtes l'une des idoles de Garou. Non, il exagère quand il dit ça. Non, mais ça fait longtemps. Non, c'est pas un truc que je dis. À chaque fois que je le vois, j'essaie de lui expliquer. Mais c'est quand même toi qui m'as donné envie de faire un album. Quand j'ai entendu Sur la route, j'étais au Québec, on entendait des trucs. Il y en a qui me disaient tu devrais faire un album. C'était avant Notre-Dame. Je m'amusais à faire les bars et tout. Mais il y a des chansons comme ça qui te donnent envie, qui te disent « Ah, peut-être, ouais, j'en ai envie. » Puis quand tu es sorti Sur la route, c'était un énorme succès au Québec. Puis je dis « Ça y est, j'ai envie. » C'est vraiment très gentil, quoi. Ça donnerait quoi Sur la route version Garou de Palmas? Vous avez votre guitare, là. Alors montrez-nous un petit peu. Ça. Ah, c'est ça. On va pas se priver du plaisir, tout de même, franchement. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu tout l'endroit s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu de penser. Sur la route, version Garou, Gérald de Palmas, un grand moment. Dites-moi, Gérald, vous aimeriez écrire pour Garou? Ouais, j'adorerais ça. Ouais. Ben avec la voix qu'il a, c'est un peu difficile de pas être attiré par une voix comme ça. Et voilà, non, rassure-toi, je suis marié. Tu me diras, ça ne veut rien dire.
J'étais très fan. En tout cas, merci beaucoup, Gérald. Alors, Garou, votre première guitare, vous l'avez eue un jour de Noël, à 4 ans, mais j'ai appris que vous étiez un homme complet, puisque vous jouez aussi du piano. Alors, regardez là-bas, il y a un piano. J'aimerais que vous nous montriez un petit peu ce que vous savez faire. On y va? Je joue du piano, il faut s'entendre. Hein. En fait, je joue du piano seul à la maison. Je sais pas. On est comme à la maison, là, Garou. Hein. Qu'est-ce que t'as envie de... Je sais pas, ce qui vous passe par la tête, là, comme ça. Feuille morte, se ramasse de la pelle. Je sais que c'est la grave aussi. Et le vent du Nord les emporte. On a une fois de l'oublier. Je n'ai pas oublié, tu vois, la chanson que tu me chantais. C'est une chanson. Excusez-moi, je suis désolé. Pardon d'interrompre. Je suis désolé. Fausse alerte. Non, j'ai juste loupé le début de la chanson. Et comme on n'entend que dalle en coulisses, je voulais mettre là pour l'écouter. Voilà, ça vous dérange pas. Installez-vous. Mesdames et messieurs, Pierre Balmade. Bon. Garou, excuse-moi. Vas-y. Garou. Fais ta chanson, fais comme si j'étais pas là. Ce sera pas facile. On va essayer, hein. Oh, dis donc, tu m'as déjà vu embêter quelqu'un, moi. Je peux ne pas répondre. Bon, d'accord. Alors, vas-y, 3-4 fais, bon, fais pas le couplet, mais commence à partir du refrain, vas-y. Allez, je t'écoute, vas-y. Oh, le refrain, hein. C'est une chanson. C'est une chanson de toi? Les feuilles mortes. Comment tu l'as appelé? Les feuilles mortes, elle est pas de moi, ça je te jure. Qu'il est modeste. Il a écrit une chanson, il n'ose même pas dire qu'elle est de lui. C'est mignon. Enfin bon, vas-y, allez. Vas-y, vas-y. C'est une chanson qui nous ressemble. Excuse-moi, donc tu chantes, c'est une chanson. T'as peur quand on n'en soit pas sûr. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi et moi. Non. Pas toi et moi, celle que j'aimais. C'est les gens que j'aime, les gens dans la caméra. Ah, c'est une chanson qui ressemble à une caméra. D'accord. C'est une chanson qui... je te jure que si tu me laisses pas la chanter, elle va ressembler à rien. Ok, d'accord, je dis plus rien. Excuse-moi, Garou. Pardon, Fabien. Vas-y. Bon. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Quand tu dis toi qui m'aimais, tu penses à une vieille dame en particulier ou... Non, le verbe aimer. Oh là là, oh là, là, toi qui m'aimais, d'accord, j'ai compris, toi qui m'aimais. Avec ton accent, c'est pas toujours facile, hein. Et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Donc là, toujours le verbe aimer, hein. Je vais attaquer la deuxième partie du refrain, là, si ça te dérange pas, tu vas me foutre la paix. Promis. Juste un truc, quand tu disais les feuilles mortes se ramassent à la pelle, elles se ramassent à la pelle de qui? Se ramassent à la pelle, pas à la pelle, à la pelle du con. Oh bah dis donc. Non mais on dirait que tu fais exprès. Là. Mais non mais enfin quand même, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je veux dire. Prévert. Oui bah justement, des feuilles mortes dans un prévert, je trouve pas ça très... très logique. Excuse-moi.
Qui au juste? Ouais. Qui t'a invité dans mon émission? Personne. Personne, je me suis dit que ça te ferait plaisir. C'est ça. Hein? Mais la vie. Mais la vie. Mais la vie. Sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement. Sont faits. Ah, manquait plus quelle gueule. Pardon. C'est quoi la dernière phrase déjà? Les pas. Les pas, il m'a pas coupé, hein. Les pas des amours désunis. Ah, alors. Donc ça se passe sur la plage. C'est-à-dire c'est la plage, et puis il y a un pré-vert à côté. Avec une caméra dedans. Pas très simple ton histoire, hein. Je suis désolé. Tu connais vraiment bien la chanson française, Pierre. Hein? T'es tout de ma gueule, mais si je la connais la chanson française. Bien sûr, je la connais la chanson française. Il se fout de ma gueule. Vas-y, joue-le ton refrain, tu vois si je la connais pas la chanson française. Vas-y. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais. Toi qui m'aimais. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Flavie, je m'appelle Flavie. Du coup, on en perd la mémoire, c'est incroyable. Parce qu'on est les animatrices françaises aussi. Hein, alors, vous faites un véritable show, là, tous les deux. Ça vous donne pas envie d'aller un petit peu plus loin, là? Parce que c'était quand même grandiose, hein, cette séquence. Hein. Moi, j'adore, parce que c'est pas facile pour lui, parce qu'il fait, je lui propose de faire un sketch, c'est pas son truc. Et vous avez vu, hein, on aurait dit que... Ça ferait un bon partenaire, Garou? Oui, mais enfin, faudrait pas qu'il me pique ma place non plus, quoi. Alors, justement... Alors justement, moi, je ne pourrais pas piquer la sienne, hein, de toute façon. Alors, Pierre, à propos de place, avec Michel Larocque, yes. Vous vous êtes aimé. Maintenant, c'est terminé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on divorce. On divorce. Et comment ça se passe? C'est dans un premier spectacle, on s'engueulait pendant le mariage, et là, on se quitte. Et on regarde s'il y a une vie après le mariage. Et ben, il y en a une. Je l'ai écrit avec Muriel Robin. Mm-hmm. Elle l'a mis en scène. Je joue avec Michel Larocque tous les soirs. Alors, c'est où? C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et on est parti jusqu'à la fin de l'année, voilà. Voilà, c'est depuis le 11 septembre, effectivement. C'est gentil d'en parler, mais j'étais vraiment venu pour Garou. Alors, tous les deux, comment ça se passe? Écoutez-moi bien, comment ça se passe, la tournée des Enfoirés? C'est, on est tous dans le bus, il y a dortoir filles, dortoir garçons, c'est comment l'ambiance? Non, ça se mélange très vite, hein. Oui, bon. Mais... Et quand vous n'êtes pas sur scène, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, y a le resto, puis ça se prolonge, et puis on va tous au bar de l'hôtel. Généralement, on est à peu près les derniers à partir, Caro et moi. C'est la fameuse bande des derniers couchés, c'est ça, Garou? Oui, il y a des derniers couchés. Hein. C'est souvent nous qui gagnons. Et alors justement, on a un petit cadeau pour vous, Garou, comme vous ne l'avez jamais vu, au Resto du Cœur, côté coulisses, savourez. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est pas Plamondon qui écrit, c'est n'importe quoi. Les Restos du Cœur côté coulisses. Souvenir. En tout cas, ça donne vraiment envie de faire partie de votre bande. Et d'y avoir une ambiance, vous êtes... Qu'est-ce qui... Vous partez en tournée, qu'est-ce qui vous fait tenir? C'est cet enthousiasme, c'est... Comment ça se passe? Moi, j'ai du mal à me souvenir directement des Enfoirés, parce que c'est comme un autre monde tellement, parce que c'est un truc qu'on voit nulle part ailleurs, j'ai l'impression. Parce que oui, il y a des troupes, j'ai connu justement, je suis arrivé dans le métier avec une troupe comme celle de Notre-Dame, qui est une famille extraordinaire. On est tellement unis, mais on est unis à tous les jours. Là, on sait, sur les Enfoirés, c'est éphémère. Oui,
Oui. Et là, c'est éphémère, les enfoirés. Donc, on se dit, on profite au maximum de ce qu'on a pour donner le maximum du cœur. Et la devise, c'est ça, parce qu'on est là pour donner. Et il y a un truc incroyable, c'est qu'on est, je crois, aussi émus que les gens qui nous voient. Parce que les gens, ils voient évidemment plein de vedettes. Mais nous, on se voit au milieu de plein d'autres vedettes. Et on est aussi émus sur scène que les gens. Qu'on... En fait, c'est on est ému dans les deux sens. C'est un aller-retour. Oui, un aller-retour, appelez ça comme vous voulez. Mais ouais, j'aime bien aller-retour, moi. Alors, Garou, à présent, on va ensemble accueillir, j'irai votre petite protégée. Elle nous vient, elle aussi, du Grand Nord. Elle a défendu les couleurs de la France au dernier concours de l'Eurovision. Elle est quand même arrivée quatrième sur le podium, c'est énorme. Et elle ne pouvait pas ne pas être là ce soir avec nous. Merci d'accueillir Natacha Saint-Pierre. Je n'ai que mon âme. Natacha. Alors Natacha, on peut dire en quelques mots que vous êtes en train de toucher votre rêve, de réaliser votre rêve. Alors rêve, la transition elle est pas terrible, mais j'avais envie quand même. Alors rêve, ça me fait penser au bout de mes rêves, ça me fait penser à Jean-Jacques Goldman. Oh là là, j'assume, mais j'ai envie, vous n'avez pas envie d'entendre Garou, Gérald de Palmas, Pierre Palmade, Natacha Saint-Pierre nous chanter J'irai au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Allez, faites-nous ce plaisir-là. Même si le temps presse, et même si les temps plus courts, c'est les années qu'on me laisse, ne sont que minutes et jours. Et même si l'on m'arrête, s'il faut briser les murs,
existe une énergie naturelle, parfaite pour notre confort, et qui a sur l'environnement le même effet qu'une respiration d'enfant, le gaz naturel. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Daflelou, vos secondes lunettes pour un franc de plus, avec des progressifs aussi. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. What a day for a daydream. What a day. Et Mata, le cœur de Mel, président. Président, un pouvoir insensé. Écoutez Nostalgie et entrez dans la légende. On remet ça? On remet ça. On remet ça? C'est trop! Pourquoi trop? Danette, c'est pas qu'un dessert, c'est un produit laitier plein de calcium. Alors on peut tous remettre ça? Change pas là, je vais chez Loïc. Salut. Ça change pas nos plans, on fait toujours des frites. Des frites? Je vais peut-être rester alors. T'as dit que t'allais chez Loïc. Alors, tu vas chez Loïc. Parce que Friale frit sans mauvaise odeur, maintenant ce sont les parents qui réclament des frites. J'ai pas voulu rester, il était avec sa meuf. Y'a encore des frites? Ok, sympa. Friale, on sent tout de suite la différence. Est-ce qu'il serait possible de baisser le feu de cheminée de 2 degrés? Ce serait bien, 2 degrés. On s'habitue vite au confort de la Skoda Fabia Pack. Skoda Fabia Pack, 10 449 euros, soit 68 540 francs 95. Skoda, les temps changent, les références aussi. Nouveau Indesit. Il travaille, vous vivez. Demain, 7 à 8, votre magazine d'information. Après la terrible explosion d'une usine d'engrais chimiques, Toulouse est encore sous le choc. Tous les habitants sont traumatisés par la violence de l'accident. Sauveteurs et pompiers sont en état d'alerte maximale. Toulouse, 48 heures dans une ville blessée. Les équipes de 7 à 8 sont au Pakistan pour prendre le pouls d'un pays qui, selon l'ultimatum des États-Unis, doit choisir sa guerre. Enquête sur Ziad Jarrahi, un Libanais de 26 ans qui fait partie des auteurs présumés des attentats du 11 septembre. Retrouvez Laurence Ferrari et Thomas Hugues demain de 7 à 8 sur TF1. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Vous le savez, ce soir, sur le plateau de cette émission spéciale, on parle québécois, on rit, on chante, bref, on prend du plaisir grâce à Garou et à tous ses invités qui vont nous rejoindre dans quelques minutes, et notamment Céline Dion, que l'on n'a pas revue depuis longtemps, donc on va prendre de ses nouvelles. Alors je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, Garou, mais vous êtes quand même le plus séduisant des bossus que l'on puisse rencontrer.
Vous séduisant, je suis pas sûr, mais. Non plus, finalement. Je suis pas sûr non plus. Dites-moi, on va faire comme si il y avait personne. On vous oublie, hein. Excusez-moi, c'est un peu égoïste. Regardez-moi là, droit dans les yeux, même si vous n'y croyez pas, s'il vous plaît, chantez-moi belle. Rien que pour moi, s'il vous plaît, Garo. Un mot qu'on t'ira inventer pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Telle un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi qu'il me faut glisser mes doigts dans les cheveux sur le mal. Thank you.
temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. On m'a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la lumière. Il est foutu le temps. Évidemment que Garou, Notre-Dame de Paris. Alors l'aventure Notre-Dame de Paris n'aurait pas pu se faire sans ce monsieur. Il est le papa de toute la troupe. Merci d'applaudir Luc Plamondon. Je peux dire qu'il y avait... Il y avait un copapa quand même qui est Richard Cotchian. Bien sûr. Et Gilles Maheu, le metteur en scène. On a vraiment fait ça à trois. Une comédie musicale, ça se fait avec un compositeur, un auteur et un metteur en scène. Hélène, vous qui avez été la convoitise à travers le personnage d'Esmeralda pendant si longtemps, ça vous manque pas trop? D'être convoitée, d'être convoitée par ces messieurs. Pour moi, ça représente 2 ans d'amitié, de complicité et de rire, parce qu'on s'est fait des sacrées farces. Et il suffit qu'on se retrouve pour se les remémorer. Alors justement, parmi les farces, Patrick, racontez-nous une farce. Vous n'êtes pas farceur, vous. Non, c'est-à-dire la plus farceuse, c'était Hélène. Oui, c'est vrai que la plus boute en train, on va dire, et la plus farceuse, et elle se régalait à nous faire plein de surprises, parce que en fait, ce que le public ne sait pas, c'est que de temps en temps, on se permettait des petits écarts. Et c'était surtout sur les tenues vestimentaires ou des petits plus rajoutés, genre dents, tout ça. Ouais, une dent noire, genre elle passait devant moi, elle avait un grand sourire, puis elle avait une dent noire. Alors ça paraît tout bête, mais quand on est sur scène, c'est les pistolets à eau aussi. C'est la langue bleue. Elle passait comme ça, mais on va pas tout dire. Elle te regardait, et puis toi t'es bien sérieux, t'étais tout prêt à aller chanter, concentré, et puis tu la voyais, elle te regardait, puis pipi. Alors c'est vous qui avez découvert Garou. Où est-ce que vous avez déniché cette petite perle? Mais dans un bar de rock, évidemment. Dans un bar de rock, ils font les perles, c'est toujours dans les bars de rock. Dans un bar de blues qui s'appelait le Liquor Store, alors, vous imaginez. Sous une bouteille de whisky. Où il a grandi. Bon, je l'ai dit. Aujourd'hui, l'aventure. Je t'en remercie. Aujourd'hui, l'aventure Notre-Dame de Paris continue avec un nouveau visage et avec également une nouvelle voix. La nouvelle voix, c'est Chirelle qui joue maintenant, Esmeralda. On la découvre tout de suite et en musique, s'il vous plaît. Et pour sa première télé, quoi de mieux, franchement, que d'être accompagnée par Garou. Chirelle, Les oiseaux qu'on met en cage, l'un des gros succès de Notre-Dame de Paris. Encore voler les enfants que l'on outrage, peuvent-ils encore aimer? J'étais comme une hirondelle, j'arrivais avec le printemps, je courais par les ruelles.
en esmeralda ou de cacheté de bois. Voilà au moins trois jours déjà qu'on ne te voit plus par là. Et tu partis en voyage avec ton beau capitaine, sans fiançailles, sans mariage, comme à la mode païenne. Serais-tu morte peut-être? Peuvent-ils encore voler? Les enfants que l'on outrage peuvent-ils encore aimer? Sirène! La nouvelle est toute belle, Esmeralda. Sirène! Bonsoir Chirelle. Alors c'est donc vous. Comment vous sentez-vous là, à quelques jours de la première? Eh ben excitée, je suis un peu nerveuse, c'est normal, hein, mais on va voyager, on va faire cette belle aventure. On va heureuse, y arriver. Oui. Enthousiaste. Oui. Patrick, quel conseil donneriez-vous à Chirelle? Je crois qu'on donne le bâton à une aventure qui a été magnifique. Et essayer de porter le flambeau bien haut, comme on a pu le faire. J'espère. Bonne chance pour le relais. Merci beaucoup. Starmania, Luc, c'est une aventure également avec Michel Berger. Et ce soir, Garou tenait à vous offrir cette chanson. Vous la savez tous. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir. Tendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Storm, le monde est storm. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers. Ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait mon cinéma. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir, comme tous ces automates qui bâtissent des empires. Des châteaux de cœur.
instant, tu cherches le soleil au milieu de ma nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou rien si c'est moi qui me fait du cinéma. Laissez-moi me débattre, mais n'est pas que secourir, mais n'est plutôt ma main pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui claque, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte. Le cadeau de Garou à Luc Plamondon, le monde est stone. Clin d'œil pour Starmania. Ça va, Luc? Ça va. C'est la première fois que cette chanson est chantée par un homme. J'ai écrit cette chanson il y a 25 ans et c'était le rêve de Michel Berger d'entendre Stone chanter par un homme et jamais personne ne l'a chanté. Donc c'est en même temps un rêve de Michel qui se réalise. Je voudrais que vous l'applaudissiez. Luc Plamondon, merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite en tout cas bonne chance à Chirel, au Théâtre Mogador, à partir du 25 septembre pour Notre-Dame de Paris. À très bientôt, merci encore. Alors, Garou, la petite surprise. Regardez bien là-bas, vous voyez? Oh là! Il y a trois amis de la bande des Restos. Trois amis qui tenaient à vous dire ça. Écoutez-les. Garou, tu voudrais réussir ta vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, et surtout être intelligent. Et pour ça, il faudrait que tu bosses à plein temps. Et puis l'année d'après, tu recommenceras. Et puis l'année d'après.
Lavoine et Gérald Palmas. Zazie, vous savez ce que Garou dit de vous ? Que vous lui rappelez ses 14 ans, que vous êtes fraîche, belle et naturelle. Il m'en a parlé, oh. Juste au Canada, il le dit partout. Alors Marc, quant à vous, Garou, quand on parlait de Marc en préparant l'émission, vous m'avez dit, Marc Lavoine, c'est un vrai bonhomme complet. Ça veut dire quoi, un vrai bonhomme complet ? Moi, je suis son miroir, c'est tout. Je ne suis que son miroir. Quand il me voit, il voit que mes yeux sont pétillés parce que je l'adore, parce que c'est un homme exceptionnel. Il se met au piano, il devient magicien, il chante, il est génial, il aime tout le monde, il nous attrape comme ça, il nous attire, il est génial. Donc évidemment. Non, évidemment. Mais vous savez, Marc, c'est une chose qu'on connaît de lui, ce que le grand public connaît de lui. Mais quand on le connaît plus, Marc, c'est vraiment un. On dit pas trop. C'est un homme parfait quelque part. C'est celui qu'on voudrait devenir. Il excelle dans tout, et que familial, que autant que dans les amitiés. C'est un entier qui réussit tout ce qu'il fait. Alors moi, je vous laisse méditer sur ces belles paroles, car pour le moment, Hélène Ségara va rejoindre la scène pour interpréter sa dernière chanson. Et cette dernière chanson s'intitule « Mrs. Jones ». Hélène Ségara. Vous comprenez, Mrs. Jones.
Merci Hélène, Missy Jones, c'est extrait de votre album live, Hélène Ségara en concert. Alors Garou, vous adorez le rhythm and blues. Est-ce que ce soir vous pourriez nous faire quelque chose de James Brown avec Luc Merville, un petit générique de l'émission, un petit Sex Machine. Gotta get up and do my thing. I think it's about time to get up and do my thing. You know, like a Sex Machine. Are you guys ready to get it? Ready to hit it on? Like an old time? Yo, you cut it off. Come on, 1, 2, 3, 4. Notre-Dame de Paris rencontre celle des enfoirés. Ça fait Get On Up. Alors Garou, lui aussi, il vient du Québec. Lui aussi, il tenait à être avec vous ce soir. Je vous demande à présent d'accueillir Rogue Voisine. Il nous interprète ce soir sa toute nouvelle chanson Dimi. Moi-même quand je pars, les mots promis et les malentendus se gorgent d'eau, mais qu'on n'a pas bu. Les mots d'absence épinglés, pendus aux lèvres qui se sont tues. Dis-lui, dis-lui tous ces mots qui nous lient, les mots qui fuient et les non-dits. Mon moment de rêve.
prochain album intitulé Rock Voisine. Ce soir, c'est bien sûr et toujours la fête à Garou. Vous le savez, ses amis sont venus et vous aussi chez vous, vous faites partie de la fête. Alors sans oublier bien sûr tous ceux qui vont nous rejoindre après la pub, dont Céline Dion qui fête son grand retour. On ne bouge pas, on vous attend. À tout de suite, merci. Et vous, qu'avez-vous découvert ces derniers temps? Freelander de Land Rover. Bon alors bon, essayons ce nouveau Kiss Cool Inhaler Effect. Oh! À moi! Mais c'est vrai que ça dégage mon nez. À moi! 2 minutes, papillon! Merci. Mon nez! Merci la fraîcheur qui m'a envahi mon nez. Passe-le! Je le passe mon nez. Pas, je passe le passe pas. Je le passe pas. C'est mon nez. Et c'est pas un jouet. Nouveau qui se couline à leur effect. La fraîcheur qui dégage mon nez. Le nouveau riz d'Uncle Ben's est vraiment délicieux. En seulement 2 minutes. Parce que parfois, le plaisir n'attend pas. Nouveau riz pré-cuit à la vapeur d'Uncle Ben's. 2 minutes et c'est prêt. Comment ça va? Tu vas bien? Tu es superbe. Hé, hey, t'es là, toi. T'as passé une bonne journée aujourd'hui? Oh, te voilà. Toi, t'as envie de jouer. Allez, monte sur mes épaules, on va faire l'avion. Assurer sa famille n'est pas obligatoire, c'est juste essentiel. C'est pourquoi à la Massif, nous vous proposons l'assurance prévoyance qui protège votre famille. Massif. Chez la mère d'Émilie, j'ai mangé des légumes, moi. Même que j'ai même pas mis une heure. Même que chez la mère d'Émilie, ils sont bons les légumes. C'est plein de couleurs avec du chou romanesco. Même qu'Émilie, c'est pas pour rien que c'est ma copine. Ouais. Poêlé de légumes Bonduel. Quand c'est bon, c'est Bonduel. Appeler le 0800 95 58 58 n'est pas obligatoire. Toutefois, la Massif vous propose l'assurance prévoyance qui protège votre famille en cas d'accident. Et ça, c'est juste essentiel. Tu veux une parmentière de saumon, comme hier? De l'habitude naît l'ennui. Alors, varions ces plaisirs avec Petit Menu. Chez Nestlé, le président, c'est bébé. Petit Menu, signé Nestlé. Still Dre Day, nigga, AK, nigga. Though I've grown a lot, I can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm home. Universal Music Mobile, une nouvelle marque de téléphonie mobile en vente chez votre marchand de journaux et dans votre espace SFR. Et c'est pour qui cette délicieuse tablette de chocolat sur son vrai petit beurre? C'est pour moi. Petit écolier de lit, ce n'est que pour les enfants. RTL2 présente le meilleur de Tracy Chapman. Pour la première fois, tous les tubes de Tracy Chapman. Revivez toute l'émotion de Tracy Chapman sur un même album. Joël Robuchon, cuisinier du siècle, a créé pour le Gal son grand arabica. Chef, votre grand arabica? Pour moi, le plus important, c'est le goût. Grand Arabica, créé par Joël Robuchon. Le Gal, le goût. Julien Clerc. Si j'étais elle, je voudrais bien, juste pour. Après moi, Si j'étais elle, découvrez En ton nom, son duo avec Assia.
Si j'étais elle, un album intense signé Julien Clerc. La cuisine, c'est moi et Cuisine Schmitt. Du 14 au 29 septembre, 15 jours après anniversaire. Cuisine Schmitt. C'est grand. Très grand. Savourez le son. Chez votre marchand de journaux, Les Simpsons en vidéo. Collectionnez l'extraordinaire saga des 4 premières saisons, Les Simpsons. Il s'appelle comme moi je m'appelle. Le numéro 1 chez votre marchand de journaux, prix exceptionnel de 19 francs. Ne zappez pas. Mettez-vous dans les marques et lisez ce texte. Avec ma ligne locale, tout est compris à partir de 130 francs par mois. Très bien. Et sur toutes les autres destinations, quelle que soit votre ligne, pour 10 francs par mois avec option plus, vous avez les meilleurs prix de... Eh oui, ma ligne locale et option plus, c'est le plus simple et les meilleurs prix de France Télécom pour téléphoner de chez soi. En national, 25 centimes la minute. Avec Dove, goûtez au plaisir d'une peau massée et revitalisée, riche en actifs hydratants et en perles de massage. Dove crème douche stimulante, la caresse d'un massage pour des sens revitalisés. Dove crème douche stimulante, à découvrir dans la nouvelle gamme Dove. Ce soir à 20h30 sur TF1, retrouvez les 16 aventuriers de Koh-Lanta. Réunis autour d'Hubert Auriol et de Denis Brognard, les naufragés se livrent et nous dévoilent leurs secrets. Sentiments, impressions et coulisses du jeu, ils nous racontent tout. Revivez ensuite le dernier épisode de l'aventure, l'incroyable dénouement de 43 jours de survie. À la rencontre des candidats, suivi de la finale des aventuriers de Koh-Lanta, ce soir à 20h30 sur TF1. Et suivez l'événement sur TF1.fr. Vivez l'aventure sur TF1 avec le pansement gel actif Hansaplast. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up. De retour sur le plateau de cette soirée spéciale consacrée à notre ami Garou. Garou qui ce soir est entouré des gens qu'il aime et qui le lui rendent vraiment bien. Et avant de retrouver Liane Folly, Mimi Mati, Rogue Voisine, Hélène Segarra, David Hallyday, Dany Briand, séquence émotion, deux grandes voix réunies dans un duo. La première est avec nous depuis le début de cette émission. La deuxième est de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'agit de Garou et de Céline Dion qui nous fait l'amitié d'être en duplex avec nous ce soir et nous interprète Sous le vent. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends, respire un peu le souffle d'art qui me pousse en avant. Que je t'oublie. Écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Suivi un instant.
album seul. Agarou Céline est en liaison avec nous encore. Céline, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Céline. Bonsoir Garou. Alors Céline, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de vos nouvelles. Alors comment allez-vous ? Ben moi je vais très bien, très très bien, très bien même. Êtes-vous fière du début de carrière de Garou ? Absolument, je suis fière de lui, je suis fière pour lui. Mais je dois vous dire également que je suis surtout fière du fait qu'il est resté si simple malgré tout le succès qu'il connaît en ce moment, si simple et si humble. Et ça, ben, je suis très fière de lui pour ça. Alors Céline, inutile de vous le dire, la France vous aime et vous nous manquez vraiment beaucoup. C'est gentil. Ben, vous me manquez beaucoup aussi. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous donne des gros becs et puis j'espère à très bientôt. Merci Céline. Bye. À très bientôt. Bye bye. Alors à présent, place à une autre femme, elle vous a littéralement, allez, on peut le dire, dragué avec sa copine Michèle Larocque en tout début d'émission. Elle revient pour nous interpréter sa toute nouvelle chanson Être vrai. Merci d'accueillir chaleureusement Liane Folly. Ce qui nous aide à devenir grand, on se cache, on se ment. Souvent, on pourrait tendre l'oreille, s'intéresser à ce que l'autre peut nous apporter. On se gâche, on se fâche. Ça lui va bien. Hein. Oui. Mais c'est pour ça que je suis très heureuse de chanter cette chanson, parce que justement, pendant que je la chantais, je pensais à lui, tout simplement.
Alors tout à l'heure, Céline était avec nous. Est-ce que vous voudriez bien tous les deux nous chanter pour que tu m'aimes encore? Bien sûr, je suis tellement contente là. Elle le fait si bien. Allez, on y va. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout appellasse, mes amours aussi passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si l'on t'édance, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les voiles, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Je t'aime encore et pour toujours. Moi aussi, Garou, moi aussi. Là, je suis désolée, mais je ne suis pas du tout d'accord sur la chanson. Là. Là, Excusez-moi, faut que je vous explique, parce que ça fait 9 mois que je le cherche. Parce qu'on a vécu des choses très intenses pendant la tournée des Enfoirés. Et je voudrais savoir où on en est, parce que j'ai d'autres propositions. Donc, si tu veux, si on fait le point depuis 9 mois, on fait appartement séparé, continent séparé, spectacle séparé, enfant séparé. Donc, est-ce que tu es sûr qu'on doit... Est-ce qu'on ne devrait pas laisser ça comme une belle histoire d'amitié et s'arrêter là? Non, mais... Mais c'est tellement une vraie histoire d'amour. On ne peut pas l'appeler une histoire d'amitié. On s'aime, quoi. C'est un amour-mitié, quoi. Une histoire d'amour-mitié. Bon, bah, alors, on continue comme ça. On se voit une fois par an. Oui. Ça va être super. Est-ce que vous saviez que Garou était marié avec Mimi Mati? Eh ben, regardez, la preuve en image. Oui, la preuve en... On l'a jamais vue. Mademoiselle Mimi Mati, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Garou, ici présent? Oui, oui, pendant la tournée, oui. Monsieur Garou, voulez-vous prendre Mademoiselle Mimi Mati, ici présente comme époux? Dites oui, je le veux. Ou vous dites ce que vous voulez. Hein. Bon, mais j'ai bien oui réfléchi. Hein. C'est vrai que ça, hein. C'est merci. Non, c'est pas vrai. Ouais. Alors ça, c'est une belle, très belle cérémonie. Yann, vous y étiez? Ah oui, avec tous les Enfoirés, ah ouais, on était tous là. On avait des beaux témoins, il y avait Jean-Jacques Goldman, il y avait Muriel, Robin, Michel Larocque, Zazie, Lawanette, tout le monde. Maxime oui. Forestier, Maxime et tout le monde. Bah oui, on était tous là autour des mariés. On peut vous appeler Mimi Garou alors? Ah oui, je m'appelle Mimi Garou. Voilà, on vous présente ce soir Mimi Garou, c'est une chanceuse. Allez, on continue si vous voulez bien en musique maintenant avec un nouveau duo. Mimi, j'ai besoin de votre accord. Est-ce que Garou peut aller chanter avec Hélène Ségara une chanson culte des années 70, s'il vous plaît, Mimi? Culte. Culte. D'accord. Juste culte. C'est d'accord. On peut y aller? Je te laisse 3 minutes et tu reviens. Garou, Hélène Ségara. Je vais chanter pour toi aussi. Pour ça, elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux.
elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. C'était pas mal. Mais tu vois, j'étais troublée un peu aussi. Ouais, non, je m'en rappellerai. Mais c'est pas mon type d'homme, tu sais, c'est mon petit frère. Ouais, ça le dit tout ça. Bon, alors Mimi, si on papotait un petit peu comme ça, là, deux secondes. Oh là, alors oui, c'est ça. À partir du 15 janvier. Oui, au théâtre de Jazet, oui. je remonte sur scène toute seule dans un one woman show que Muriel Robin a bien voulu écrire avec moi. Oui. Et j'en suis très très fière et je suis contente parce que la scène me manque. J'aime bien faire la télé, j'aime bien tourner dans les films, mais je suis contente de remonter pour 100 représentations exceptionnelles sur scène à partir du 15 janvier. Voilà. Il était avec nous au tout début de l'émission, il nous attend près de son piano. Ce soir, Patrick Bruel, pour la première fois à la télévision, nous raconte en mélodie un moment fort de sa vie, l'histoire de la rencontre entre un homme de 96 ans et son arrière-petit-fils de 3 mois. Mais écoutez la chanson par le domaine. Le long de
bébé, tu as pris son doigt comme pour le retenir. Puis il t'a parlé de cette vie passée. Merci Patrick. Alors Garou, sur votre album, on trouve également un titre hommage dédié à l'une de vos amies. Ce titre, c'est La moitié du ciel. Est-ce que quand on a quelque chose dans les tripes, on a besoin de le mettre en chanson ? Des fois, il faut exorciser des peines comme ça. J'aimerais pouvoir les écrire comme Patrick. Mais c'est la magie. Des fois, quand tu interprètes une chanson qui explique tellement bien, qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Dans le cas de mon album, il y en a une qui est écrite par Elisabeth Anaïs qui s'appelle La moitié du ciel, ouais. Que je relis directement à la mort d'une amie à moi. La chanson, ça exorcise, ça fait. On couche des émotions sur le papier et dans la voix. C'est même une thérapie parfois. Ouais. Liane, Mimi, Hélène, merci. On se retrouve tout à l'heure, évidemment, pour le final. Garou, la première chanson extraite de votre album, c'est Seul. Tout le monde est tombé, évidemment, sous le charme, puisque le disque s'est arraché à 1 million d'exemplaires. Ce soir, vous allez nous l'interpréter, mais pas seul, accompagné. Tant de fois j'ai tenté d'aller toucher les étoiles, que souvent en bas je m'y suis fait mal. Avoir franchi les limites, mais toujours une phrase m'a remis en orbite. Tant de
fois j'ai grimpé jusqu'au plus haut des cimes, que je me suis retrouvé seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme. Je vais me glisser entre vous deux. Bonsoir, bonsoir. David. Ravi que vous soyez là. Garou me parlait de moments forts quand vous vous rencontrez. Bah, effectivement, on en a eu la preuve ce soir sur ce plateau. Merci. C'était vraiment un plaisir. Merci de m'avoir invité. C'était un honneur de chanter avec toi. Et puis, ça ne m'étonne pas que le public est avec toi parce que tu es un garçon fort sympathique une fois. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre de nos émotions. Et on va se retrouver dans quelques instants. On fait une courte pause, surtout restez avec nous. Plein de chansons, plein de surprises, plein de duos inédits. Et tout ça pour Garou. C'est de la fête à Garou. A tout de suite, merci. Voilà, alors celui-là est parfait pour Internet. Et pour les jeux vidéo? Ah, c'est le top, hein. Vous verrez que vos enfants resteront scotchés, hein. C'est plutôt lui qui joue aux jeux vidéo. Et Kinder Maxi, c'est pour lui aussi? C'est pour nous deux. C'est du chocolat Kinder avec plein de lait dedans. Tenez, goûtez. Dans 100 grammes de Kinder Maxi, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. C'est vrai que c'est bon, hein. Dommage de ne les laisser qu'aux enfants. Un peu comme les jeux vidéo. Kinder Maxi, créé pour les enfants, idéal pour tous. Chez Braun, nous cherchons toujours des solutions pour faciliter le repassage. C'est pourquoi Braun recommande DH2en1. Parce que son adoucissant repassage facile incorporé aide à lisser les fibres pendant le lavage. DH2en1 pour repasser à toute vapeur.
pour l'accès Internet, vous avez le gratuit, c'est gratuit. Mais les communications ne sont pas payantes? Ah bah si, évidemment. Non, sinon, vous avez le forfait de 10 heures qui dure 10 heures, ou le forfait de 20 heures qui dure... 20 heures? Et voilà. Et si je dépasse? Ah bah, il faut payer, hein. Comme quand c'est gratuit. Seul AOL vous offre 20 heures d'essai gratuites, télécommunications comprises, sans engagement. Père Savon, maître savonnier depuis 4 générations. TDI 150 for motion, 4 roues motrices permanentes. Allumez ! Stade de manier ! Il y a vraiment beaucoup de tendresse dans le nouvel ourson de Lu. Allumez ! Riche en lait, riche en calcium, qu'il est tendre de grandir avec ourson de Lu, existe aussi fourré au lait. Avec Jacques Vabre, vivez des sensations café, riches, surprenantes, intenses, puisées dans la vraie nature du café. Jacques Vabre, vivre, c'est ressentir. DJ Volume 2, tous les numéros 1 club avec Caléon, Mademoiselle, Jalan, Kiss Connection, Craig David, DJ Hit, toutes les bombes club avec Fun Radio. Si vous écoutiez vos enfants, vous iriez chez McDo chaque semaine. Mais c'est pas vraiment votre truc. Pourtant, dans un menu Happy Meal, il y a de la viande pour les protéines, du pain et des frites pour l'énergie, un yaourt à boire pour le calcium et bien sûr une boisson. Des produits simples qui peuvent s'intégrer à l'équilibre alimentaire de leur semaine pour que vous puissiez leur faire plaisir sans vous poser de questions. Écoute, c'est sur Énergie. Mariah Carey. La plus grande voix féminine de ces dernières années revient avec un album événement. Enfin le nouvel album de Mariah Carey. Un bébé, mais tu te rends compte, père de famille, et s'il m'arrive quelque chose, un accident, un truc grave, tiens, si je meurs, faut tout prévoir. Tu seras là, hein, t'es mon meilleur ami. Tu t'occuperas d'eux, le bébé, la maman, je te fais confiance. Ah, confiance, confiance, je veux bien, mais il y a quand même pas écrit La Poste, là. Avec sa gamme d'assurance prévoyance, La Poste vous propose des garanties claires et précises pour protéger dès maintenant, quoi qu'il arrive, l'avenir de ceux qui vous sont chers. Ah bah ça, pour une nouvelle. C'est des jumeaux. C'est deux bonnes nouvelles. Ce que l'avenir vous promet, La Poste vous l'apporte. C'est ça, chauffe le quartier pendant que tu y es. Heureusement qu'avec le fuel, notre journée de chauffage ne coûte que 83 centimes d'euros. Qu'est-ce qu'il y a? Il comprend pas le toutou? Il veut du concret. Alors, ton beau poil luisant, c'est une douche bien chaude à 10 centimes d'euros. Par pitié, prends-en une plus souvent. Et ta gamelle propre, c'est une vaisselle à 2 centimes d'euros seulement. Avec le fuel, on n'économise pas sur le confort, juste sur le prix. Pour en savoir plus, appelle le 0810 34 34 34. Expliquez-lui, vous! Moi, j'en peux plus! J'ai perdu les pédales, j'ai l'impression que je deviens fou. Psychopathe, animal, elle ignore les barrières qui permettent à la personnalité de se construire, capable de toutes les transformations et dépourvue de morale, elle aspire à la perfection universelle. Elle est comme un caméléon charmeur à la queue de scorpion. Deux personnes ont déjà été tuées. Et il semble bien qu'elle soit la suspecte idéale. Je suis à ta merci, à la rubrique Mon seul espoir.
Il n'y a que toi. Vous êtes tombé dans un piège. Mon meilleur ami a été assassiné. Sortez-moi tout de suite. Il a pris plus de 30 coups de couteau en pleine voiture. Et je serai peut-être le suivant. Allez-vous-en. Il n'y a que vous qui puissiez me renseigner, madame. D'amour en névrose. Color of Night, demain à 20h50 sur TF1. Ciné dimanche avec Boulanger. Boulanger, image, son, micro, électroménager. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Vous le savez, c'est la soirée spéciale Garou que vous pouvez suivre en simultané et en stéréo sur MFM. La dernière partie de l'émission réserve encore plein de surprises et de duos inattendus. On commence d'ailleurs en musique. On avait très envie de les voir chanter ensemble. Ce soir, Rock Voisine et Garou vous interprètent La Dame de Haute-Savoie. Quand je suis fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent, quand je suis fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases, quand leurs mots voleront en éclats, quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve. Je serai fatigué. Chantier au Liquor Store, ouais. Un jour, les musiciens de rock sont venus boire un verre, ouais. et puis, la suite. Ils n'ont pas le droit de faire ça, ça. Non, ils te l'ont jamais dit. Vous n'étiez pas au courant? Les musiciens, tu vois, rock, c'est une énorme star au Québec. Il fait la plus grosse salle, évidemment, à Sherbrooke. Et moi, je fais le plus petit des bars parce qu'on faisait tout juste débuter les dimanches à Garou dont on parlait. Et il y a les musiciens de rock qui arrivent, les choristes. Il y avait des choristes, le Tika, Lina Boudreau. Et là, tout le monde arrive, puis ils viennent nous demander si est-ce qu'on pourrait aller jouer de la musique avec vous. Je dis, ben ouais, vous êtes qui, vous? Oh, on jouait avec Rock Voisine. Ils doivent être bons. Respect. Ils sont montés, ça, le plafond a explosé. Allez, on continue en chanson. Celle qui va nous rejoindre s'apprête à sortir son tout nouvel album, Zizani. Pour vous ce soir, elle interprète sa nouvelle chanson, Rue de la Paix. Merci d'applaudir Zazie. Je vends